Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Gamecoin GC54. La dernière vidéo c'était sur le GC27 Lux. Donc celui-ci, modèle double canon, double charge, 1,2 kg, donc qui est presque le double du GC27 normal qui fait environ 700 grammes. Bien sûr, calibre 12,50. Vous mettez des cartouches comme ceci, hein, ou 50 qui existent en chevrotine, en balle et en carabanc blanc, c'est-à-dire à blanc. Donc bien sûr, le système est le même, sauf que là, vous allez vous poser la question, mais comment ça fonctionne? Il y a un seul chien et double canon. Donc la réponse, c'est que si vous mettez les doubles cartouches, ça va commencer par celle d'en haut, et ça va tirer celle d'en bas ou bien le contraire. Comment le vérifier? Regardez bien la percussion ici en haut et en bas. Nous allons percuter. Ça va percuter en haut. Donc la prochaine, bien sûr, est en bas. Donc bien sûr, c'est à vous à le savoir à l'avance. Car si vous mettez une balle comme ceci et de la chevrotine, la cartouche verte, il faut savoir laquelle tirer en premier. Voilà. Donc ce modèle est toujours en vente pour un tarif d'environ 200 à 300 euros. Ce modèle que j'ai en main est plutôt des années début 2000, 2000, 2002. C'est vraiment un ancien modèle avec la crosse en bois, ce qui fait un objet encore plus rare. Et au niveau de la fiabilité, il est excellent. Pour la défense, interdit à moins de 3 mètres pour éviter les blessures mortelles. Ensuite, à 10-15 mètres, c'est largement suffisant. Donc c'est une super arme de défense classée en catégorie C, certificat médical obligatoire de moins de 15 jours, ou bien licence de tir, permis de chasse ou licence de balle trap. Ne pas s'en servir chez soi uniquement en club de tir pour le loisir. Quand je dis chez soi, après pour la défense, c'est autre chose. Voilà, donc c'est une arme non létale qui peut l'être à moins de 3 mètres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo.